santo bokoko telema mbote o kombo misato bulo kombo ya tata nessa sepi akole kapona payamba ona to drapo ndena semana moto kobi na ba programme ndenge pesa mbiso ba protocole ba chabasani to sale la tango ba protocole ba chabasani to ba sale zante ba protocole to na ngamo ba sale sane zante ngamo ba buta Solo ma mamá balobi, y sobe bata el campo, no contica la cimate.
Ngami na kombo ya mama Martine Bebali Lisosonga nazali coordonnatrice ya Ligue nationale des femmes na parti AREP ya excellence Maître Gilwa Ndumboyo lelo nayaki kosangana na ba mama ya Kimbangiste pona ko commémorer journée ya mama na biso mwilu depuis akufaki ya 65 ans yango lelo ezalaki mokolo malamu pona nga lokola mama oya kosangana na ba mama Kimbangiste pe koyebisa femme congolaise nyonso ete mama mwilu azalaki un modèle pona biso pe ndakisa ya solo sika ete biso nyonso tolanda lolenge pe lokolo na ye. Spécial 27 avril, nous sommes venus commémorer le 65e anniversaire du décès de Mama Mwilu, l'épouse du prophète Simon Kimbangu, la dame qui a gardé l'église après le décès de son mari. Elle n'a pas lâché, elle n'a pas baissé les bras, malgré plusieurs arrestations de son mari, elle a tenu l'église et jusqu'à aujourd'hui à étendre sur toute l'étendue nationale comme internationale, c'est grâce à cette brave femme, c'est grâce à cette femme battante, un modèle de femme pour le monde, et particulièrement pour le Congo, République démocratique. C'est un modèle, une femme de référence. C'est pour cela, moi, en tant que la coordonnatrice nationale de la Ligue des femmes du parti AREP, des chères excellences Maître Gilwa Ndumboyo, je ne pouvais pas passer inaperçu cette journée. Je suis venue joindre aux femmes kimbangistes cette journée pour commémorer ensemble et essayer de partager cette joie d'une femme modèle, exemplaire ou digne d'une femme africaine. Et sur ce, je voulais encore demander que cette grâce
qui était dans cette femme puisse s'étendre sur nous, tous les femmes politiciennes du Congo. Et cette grâce en particulier, je vais demander que cela soit sur tous nos candidats députés, gouverneurs, sénatoriales, du parti AREP et particulièrement à notre autorité de référence, Excellence Maître Guy Luande Mboyo. Ça m'a dépassé de voir qu'en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo, pouvait sortir une héroïne de Maman Mouilou, c'est-à-dire une femme modèle de son église. Et nous qui sommes en train de venir, nous qui sommes en train d'enjamber les pas derrière cette brave femme, nous demandons à toutes ces femmes-là qui n'ont pas encore pris conscience de venir joindre ces modèles, ces monuments, ce qu'il a laissé comme église humaniste. Aujourd'hui, si cette église existe, c'est parce qu'il y a une femme qui s'est tenue debout. Et nous demandons à toutes les femmes à la République démocratique du Congo, particulièrement ma nation, je demande à toutes ces femmes de se servir de modèle de Maman Mouilou. Aujourd'hui, c'est le 27 avril 2024. Nous, Kimbanguis et les sympathisants, avons l'habitude de commémorer cette date parce que Maman Mouilou, c'est elle qui a gardé le mouvement, qui a dirigé le mouvement Kimbanguis de 1951 et de 1921 à 1959. Au début de la vocation de Papa Simon Kimbangu, lui-même avait peur parce qu'il était catéchiste. À cette époque-là, ce sont les blancs qui dirigeaient, les pasteurs blancs de Ngombe-Lou-Tete, parce que lui-même, si protestant, il avait peur. Mais au moins, Maman Mouilou l'a exhorté en lui disant: accepte la mission, je vais appuyer votre ministère. C'est ça, nous allons constater que Maman Mouilou de 21 à 59, elle a appuyé le ministère de son mari parce que Papa Kisolo, qui est le fils aîné de Papa Simon Kimbangu, avait à cette époque-là 7 ans. Papa Dalungana, le deuxième fils, avait 5 ans. Le cadet qui a pris la relève, qui était devenu le chef spirituel, Papa Dengenda, avait 3 ans. Or, la mission était pour Papa Dengenda qui devrait diriger. Mais comme il avait 3 ans, Papa Simon Kimbangu a confié le pouvoir à Maman Mouilou. C'est elle alors qui a dirigé l'église jusqu'à ce que Papa Dengenda était devenu adulte. Le 12 avril, ils ont fait la remise et reprise. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de commémorer cette date. Parce que si Maman Mouilou n'avait pas tenu bon, si Maman Mouilou n'avait pas suivi à la lettre les instructions de Papa Simon Kimbangu, l'église n'allait pas voir jour jusqu'à présent. Mais comme elle a gardé cette patrimoine, et voilà, nous sommes là. Donc Maman Mouilou, pour nous, c'est un modèle. Hein, on parle de beaucoup de femmes dans le monde, mais on a toujours l'habitude d'oublier Maman Mouilou. Maman Mouilou, ce n'est pas qu'il a respecté un commandement, mais il a gardé l'église kimbanguiste. Hein, donc jusqu'à ce qu'elle a fait la remise de l'église. Je dirais même que c'est la première chef de l'église kimbanguiste pendant la clandestinité. Les gens doivent retenir la reconnaissance, notre reconnaissance, nos kimbanguistes, des souffrances qu'endurait notre vénérable maman Mouilou Kiawangazitani Marie. Elle a beaucoup souffert, elle a souffert pour notre intérêt. Alors, en guise de reconnaissance de toutes ces souffrances qu'elle a endurées, c'est ainsi que nous sommes obligés et nous serons toujours obligés de fêter le 27 avril de chaque année. Votre mot de la fin, quel mot de la fin vous voulez dire? Le mot de la fin, nous louons Dieu d'abord qui a fait que nous puissions le connaître et qui a fait que nous puissions comprendre l'essence de cette journée. Nous louons Dieu et nous appelons aussi tout le monde à comprendre pourquoi nous fêtons. Nous remercions sincèrement Dieu d'abord, c'est lui qui a fait tout ça. Et nous remercions aussi pour avoir eu la bonne volonté
nous suivre pour avoir nos impressions. Allez, Bambouta, cabinet Liboso, si ma cabinet collège, si ma collège vient. Commandant, est-ce que la maman est souvent ?